What's wrong? Someone claiming to be Henry in Two Forks called a lookout in another sector early this morning and said that I knew what caused the Wapiti Meadow fire. So, I just got off the horn with that lookout who's wondering what I know, or that I'm an arsonist, or that I'm fucking losing it. Furthermore, I bet you don't have the only tape of us from last night, so someone has evidence to back it up. We need to find out what someone's been keeping in that cave. I'm going down there now. We don't have a lot of time left out here, and if we don't find some fucking answers, when they lift us out of here, it's gonna be in handcuffs. We have to stick together, okay? Keep our story straight. From the first day with those girls to the person breaking in on our conversation, everything. We gotta be honest and consistent. Yeah, I suppose you're right. I know. Et nous sommes repartis à l'aventure dans cette forêt. Chers amis, forêt qui semble de plus en plus plongée dans la fumée de l'incendie qui se rapproche du jour en jour. J'espère que vous allez bien, on est sur le cinquième épisode, je crois, de cette série de l'été, la série de la canicule. Et j'espère que vous avez de quoi vous hydrater, non loin de vous. Et on est parti donc en direction du nord. Hop, alors j'ai plus de boussole à proprement parler. Donc je vais devoir me fier à ce... Je préfère les boussoles à l'ancienne en fait. Plutôt que ces trucs numériques. C'est comme les montres, j'ai toujours préféré les montres avec des aiguilles ou des horloges avec des aiguilles. Plutôt que des cadrans numériques, je trouve que c'est toujours plus joli. Après c'est une question de goût. Faut juste que je retrouve la descente. Il y a un chemin ici, non? Pas moyen de passer, c'est bloqué, c'est barré. Il faut juste que je retrouve en fait le moyen de descendre. Et je sais plus où c'est. Parce que là je suis en train de m'égarer clairement. Je ne peux pas passer là, c'est mal fait ça. C'est mal fait parce que là du coup, tu vois, je suis obligé de ranger mes instruments. Hop, passer. Alors, où se trouve ma tour? J'ai déjà perdu ma tour, c'est déjà assez fantastique de se perdre après si peu de temps. Donc ma tour est juste là. Et je me rappelle qu'il faut que je passe le cabanon de toilette pour retrouver le sentier qui me mènera à la grotte. Donc les toilettes qui devraient être logiquement par là. Voilà, c'est ça. Me voilà sur la bonne route. Et on va enfin savoir ce qu'il se passe dans cette grotte. Ce qu'on nous cache depuis le début du jeu. Delilah, c'est-elle? Tout ce qui se trame dans l'ombre est-elle liée de près ou de loin à tout ça? Nous allons en apprendre plus. Mais j'imagine qu'elle n'est pas totalement inconnue en fait. Pas totalement étrangère à ce qui nous arrive. Je pense qu'elle cache bien son jeu et qu'elle a des choses à se reprocher. Peut-être que ce ne sont que des stipulations de ma part. Qui vont s'avérer fausses. Et on voit que l'ambiance a changé du tout au tout. Hey, you didn't actually make that call, right? To the other lookout. It just stuck in my craw. I let myself imagine how fucked I would be if you'd been lying to me. But now that I asked, I kinda just wish I hadn't.
I'm not even going to answer that. But you could be lying to me too, you know. I'm not. Yeah? I hope not. You know what? Forget I asked. Toujours se méfier de tout le monde sur cette planète de fous. Méfiez-vous toujours de tout le monde, tous ceux qui vous entourent, même des gens de votre famille, même des gens qu'on pense être des amis proches. Il faut toujours avoir un brin de méfiance envers tout le monde. Tout le monde peut vous trahir tôt ou tard dans ce monde de tarés. Et ça, je l'ai appris à mes dépens, croyez-moi. Des gens qu'on pense être des amis, des vrais amis, qui vous tournent le dos pour des raisons qui vous échappent et qui ne vous expliquent même pas, qui plus est. Des gens qui vous poignardent dans le dos, il y en aura toujours. Et si j'ai un bon conseil à vous donner à ce niveau-là, c'est méfiez-vous de tout le monde. Et peut-être que ce jeu va appuyer mes dires en nous prouvant à la fin que Delilah n'est, comme j'expliquais, n'est pas étrangère à tout ce qui nous arrive. Peut-être qu'elle fait partie de la manipulation. Donc on va rester sur nos gardes avec elle. Et on progresse enfin dans le jeu. Voilà quelques jours que je n'ai pas joué. J'ai fait un petit saut par l'Alsace, j'ai passé un petit week-end chez mon ami Val de la chaîne LSA. Que je salue au passage si regarde cette vidéo, que j'embrasse fort. Hop. Jesus, this is a big cave. Et on peut apparemment trouver. Passer par plusieurs endroits. On va déjà explorer cette artère. Et on descendra un peu plus s'il le faut. It's freezing in here. Anyone there? On peut continuer à descendre par là, non, apparemment non. Cela dit, je vois quelque chose là-bas. C'est très sensible quand on zoome. Une chaussure. Voilà qui ne présage pas que du bon. J'aperçois les rayons du soleil qui percent à travers la pierre. Et j'ai trouvé la sortie de la grotte. Où cela mène-t-il? J'ai bien peur que si je tombe, je ne puisse pas revenir en arrière. Hey, are you there? Yeah, what is it? What did you find? Nothing yet, because someone tried to trap me in there. You saw someone? No, someone slammed the gate behind me and then ran away. I found another way out, but if I hadn't, Jesus! So you didn't find anything? No, there's a spot where someone had sunk an anchor, but the hardware's gone now. I don't have any climbing equipment. I just have my ropes. I'm gonna hike back to Two Forks and see if I can find anything that could double as an anchor to use in the spot. Well, that doesn't sound dangerous. Et écoutez, j'ai rush malgré moi, hein, bien évidemment. J'essaie de ne pas rush le jeu depuis le début. Hein. J'essaie de jouer calmement, de me laisser imprégner par l'ambiance. Et malheureusement, j'ai rush cette caverne sans même le savoir. Puisqu'apparemment, il y a quelqu'un qui a refermé la porte derrière nous. Et je ne me suis pas retourné à temps pour le voir. Donc je ne l'ai pas vu. Première chose. Et deuxième chose, apparemment, il y avait un endroit où il y avait un piton qui était enfoncé dans le sol. Qui semblait vouloir dire que quelqu'un. Oula. Delilah, I just found an outcropping that someone was using as a little fort. I think it was Brian Goodwin. Really? Yeah, he built himself a real castle.
Ça a pas l'air d'être des livres pour enfants. À part peut-être ce comique. Voilà qui m'intéresse. Approved by the Comics Authority. Ah, ils ont bien respecté le petit logo là. Ceux qui voudront en savoir plus, je les invite à regarder le Cosmic Show L'âge d'or que j'avais fait sur la chaîne. Et donc, apparemment, je peux signaler cette bande dessinée. Non? Bunch of rocks stacked up. You made a wall and a perimeter. God. Yeah, that's perfect. You know, maybe he made it because he was afraid of them. Whenever I think of Brian possibly going through this crap, I get sick to my stomach. Yeah. Sorry. Je suis désolé, le son n'est peut-être pas agréable pour vous à l'heure actuelle, mais c'est parce que je renfonçais mon écouteur dans l'oreille et c'est de la marque. C'est une marque de merde, donc du coup ça tient pas et c'est une horreur. He was in the middle of really sprucing up the joint when they left. J'aimerais savoir où est parti mon comic. J'avais un comic qui a littéralement disparu. Regardez, on a une Game Boy ici. There's a busted old toy out here, some sort of electronic game. Yeah, I like Pong. Everybody likes Pong. It's a little weird that he'd just leave so much of his stuff out here. Well, maybe they were in a hurry when they left. Like I said, he wasn't supposed to be out here. Yeah. They almost got busted. Brian liked to go out on the railing of the tower and wave at the planes that dump water on fires, and... I got a call because someone thought a kid was up in Two Forks. I lied, and just said it was Ned. If I ratted him out, they would have been forced to leave, and... I don't know, I guess I just felt like I was saving him from whatever shitty life Ned was gonna bring him back to. Not that it ended up mattering. Je peux signaler énormément de choses, et je vais le faire parce que j'ai peut-être à avoir des informations intéressante à ce sujet. Je vais juste signaler. There's le schéma. A ham radio schematic here, something Brian was working on. Yeah, I think that was the one thing Ned did do with him, you know, tinkering on stuff like that. Énormément de choses ici. Est-ce que je peux garder tous ces trucs là? Ouais, je peux tout garder. Là. He made the place pretty comfy too. That's an achievement. Yeah, at the expense of what are probably stolen pillows. That little shit. Carte postale. There's also a postcard here from Brian to, I guess, his neighbor. What's it say? That he's with his dad and sorry he can't mow. Je suis avec mon père à Lander dans le Wisconsin. C'est vraiment sympa. Papa a pêché à un endroit nommé Sinks Canyon. Le Wyoming ressemble beaucoup au Nebraska, mais quand on s'éloigne un peu... Il y a des montagnes et des forêts. Je suis désolé de ne pas pouvoir tondre votre gazon cet été, mais j'espère que vous avez trouvé quelqu'un pour le faire à ma place. Pourriez-vous me répondre et dire à mon père quand commence l'école, parce que je crois qu'il n'en sait rien. Votre ami et voisin Brian Goodwin. Was lawn this summer. Oh gosh. And also he was worried his dad didn't know when school started. I'd say that's a lucky break if I were him. Yeah, that doesn't surprise me. Ned didn't really seem like a... You know, with it, Dad. Ah, bah voilà, j'ai des pitons. Je vais pouvoir aller explorer les profondeurs de la grotte. Bonjour, je m'appelle Brian Goodwin. Si vous avez trouvé ce message, c'est qu'il était avec des ancrages, du moins je l'espère. Vous pourriez me rendre un service et les renvoyer à Brian Goodwin par la poste. Mon adresse est le 55 Foxtrot Lane, North Platte, Nebraska, 6901. Si vous me notez votre nom et votre adresse, je vous ferai parvenir une récompense. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai laissé tout ça ici. Ces affaires sont à mon père et je ne veux pas qu'il les perde. Je n'en pouvais plus de l'escalade, alors j'ai fait semblant de les perdre. Mais si vous m'aidez à les récupérer, tout le monde sera content. Merci d'avance. Merci à vous. Brian, la récompense sera conséquente.
Joueur Brian, personnage Gladius Silva, chaotique, bon race, semi-elf classe. Truc de geek incompréhensible. Très bien. Un pot de peinture. Et j'aimerais savoir où se trouve le comic book. J'ai dû le garder dans mon inventaire, peut-être. Ça, on s'en fout. I found an old school folder. Brian was a hell of a doodler. Effectivement. Et on voit Freddy Krueger ici. On voit que le gamin s'est amusé à lui. À dessiner Freddy Krueger, tout simplement. Ou alors non, c'était des dessins qui étaient déjà sur le cahier en fait, puis le ptio il s'amusait à bargueuler tout ça comme on a tous fait une fois dans notre vie. Un dossier qui compte notre fois des documents et des rapports scolaires sûrement dégradés par Brian Goodwin. On garde tout ça, ce sont des preuves. Brian was doing a science fair project about bouncing radio waves off of a meteor shower. Poor kid left his homework? Yeah. He must have been pretty smart, huh? Étude des météores. Comment les radioamateurs peuvent utiliser les météores pour parler aux gens à grande distance? Et si je vous disais qu'on peut utiliser les météores dans notre atmosphère pour parler aux bons gens loin de nous? Vous me traiteriez sûrement de menteur, mais vous auriez tort. Les météores, ces roches extraterrestres qui approchent notre planète depuis l'espace intersidéral, peuvent être utilisées pour réfléchir les ondes radioamateurs. Et je comprends absolument rien, je vous laisse lire, mais moi ce genre de saloperie me gave. Je déteste la science. Donc je vous laisse lire tout ça. Vous mettez en pause. Ça m'intéresse vraiment pas. What, you're saying I'm one of those knuckleheads, is that it? I wasn't, but, now that I think about it... Because I know lots of stuff. Oh, please, drown me in your surplus of knowledge. I've been waiting all these years for a man as wise as you to take this job. Well, that wait's over, sweetheart. Call me sweetheart again, and you'll use that big sexy brain of yours to fill out your unemployment paperwork. Sorry, boss. Et apparemment, j'ai tout examiné. J'ai oublié de signaler à Delilah le plan dessiné à la main, mais c'est pas bien grave. Ça, je peux pas le garder sur moi, non. Il me manque juste le comic book. Je sais pas ce que j'en ai fait. J'ai peut-être dû le mettre dans mon inventaire sans faire attention. Mais je sais pas où il est passé, ce comic book. Toujours est-il que... Est-ce que je peux revenir en arrière à présent? Retourner dans la grotte avec les pitons. Je pense pas, mais on va essayer. Peut-être que le jeu attend de moi que je fasse le tour. Faudrait déjà que j'arrive à retrouver l'entrée de la grotte. Elle devait être ici. Apparemment, je peux pas me servir de mes pitons. Il faut que je fasse le tour, j'ai l'impression. Pour retourner dans cette grotte. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite, sans attendre. Comment ça, je peux pas... Ah, on a le didacticiel. Ok. Something that will kill me. So,
you know, just sort of getting myself right with God or whatever there is. Henry. And they closed the door when they could have just... bashed your head in with a rock or chopped you up with a... Are you serious with this shit right now? A hatchet. God, are you sure you want to go back in there? Honestly, I just want to know. I want to know what is worth doing everything that's been done to us. Yeah, me too. And not going to jail would be a nice kicker. Alors, où suis-je à présent? Also, those girls turned up. Looks like you didn't kill them. Nobody did. They took some farmer's tractor for a joyride down in Riverton and, landed in jail. Dodged a bullet there. Yeah, we've got enough unanswered shit to answer for, I'd say. C'est quand même bizarre parce que elles ont laissé beaucoup de matériel derrière elles. Déjà le pack de bière était à peine entamé, donc moi ça me paraît bizarre de partir en laissant un pack de bière à peine entamé. Ça me paraît vraiment bizarre. Premièrement. Deuxièmement, elles ont laissé beaucoup de stuff quoi, beaucoup de matériel quoi. Donc peut-être que c'est un mensonge de délit là, je ne sais pas. Encore quelque chose qui se pourrait bien. Ouais, y a un truc qui me paraît quand même louche. C'est que le feu se rapproche, le paltoquet, le grand feu de forêt, se rapproche de plus en plus. Et ça n'a pas l'air de choquer ni Delilah, ni Henry. Puisque ben, ils n'en parlent pas plus que ça. Et puis, regardez, vous avez vu l'atmosphère. Alors, on sent que le feu est très proche. Je serais Henry, j'aurais déjà pris les jambes à mon cou. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un feu de forêt. Quand vous êtes au milieu, vous êtes piégé littéralement. Et vous pouvez pas en sortir. Il fait extrêmement sombre maintenant. Dans cette forêt. Dans cette grotte, pardon. Apparemment, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est venu derrière moi pour refermer la porte. Et je ne l'ai pas vu. Donc il faut que je descende par là. J'imagine. Et on a deux artères comme ça qui descendent à explorer. Celle-ci et puis celle où il y avait le soulier. Pauvre gamin, effectivement. Quelle horreur. You fell. Your stuff gave out. Oh, you poor fucking kid. Ce qui explique la chaussure. Oh là là, pauvre gosse, putain, ça craint.
pas le signaler maintenant, d'accord. Parce qu'apparemment je ne capte pas ici. Va-t-il se passer? C'est bien trop calme. J'aurais peut-être dû prendre une photo du corps. J'ai déjà fait la connerie de ne pas prendre en photo les tentes déchirées des deux campeuses. Enfin, la tente déchirée des deux campeuses et leur matériel. Donc là, pour le coup, on va prendre cette photo. Voilà. Ça pourra servir de compétence. Et je ne peux plus courir. Voilà. Putain, ça monte à ce point-là? J'étais là-bas. Ah d'accord, ouais. Putain, ça remonte en fait, d'accord, ça monte, putain, j'ai pas eu l'impression de monter autant en fait, c'est pour ça que ça me paraissait bizarre de voir le cadavre si bas. Je me suis dit c'est peut-être le cadavre d'une autre personne, mais non, c'est bien le même. On n'a rien trouvé d'autre dans cette grotte qui pourrait nous expliquer qui sont ces personnes qui nous observent et pourquoi. Donc ce qu'on va tenter de remonter tranquillement, on va signaler la présence du cadavre. Hey Dee. I've been worrying my ass off. Hey, I'm sorry, Delilah. I'm so sorry. About what? You're freaking me out. He's in there. What are you saying, Henry? The only thing in the cave is Brian. He's dead. His body is in the cave, Delilah. How does that... What? I don't... How? Climbing, I think, or made to look like a climbing accident. Mm-hmm. I don't know, maybe it was Ned. If not him directly, he put enough stupid fucking know-how in his head to get him killed. Son of a bitch. Yeah. Je sais pas trop avancer parce que je sais pas ce qu'on va me demander de faire. Donc je vais rester sur place, ça m'évitera de faire du backtracking. What do we do now, Dee? I mean, are you okay? No. I'm not. He'd be alive if I had told someone he was out here. I don't know where he'd be, but I can assure you it would not be rotting at the bottom of that cave. I... There's
There's nothing to say. Hike back. I think we're leaving tomorrow anyway. Jour 79. C'est que ce bordel. Oula, le feu est beaucoup trop. Non mais voilà, en fait c'est ce que je vous expliquais, c'est complètement ça, c'est pour moi c'est un petit peu une erreur de script. Et on entend les canadaires. Pour moi c'est un petit peu une erreur de script d'avoir attendu aussi, une erreur de scénario. No, I was just busy d'avoir attendu aussi longtemps. Well, there's gonna be a lot more. The service says this thing is 2% contained. Is this the Flapjack fire, or the site fire, or...? Well, the two fires merged into one unmitigated disaster. They're renaming it after my lookout. You about packed up? Shouldn't we talk for a sec? You know, non, on n'a pas le temps, Henri. About what? About what happened to Brian. I don't have much to say. I'm fine. I'm sad. I'm whatever. I keep thinking about him down there, and I just want to get far away from here. What can I do? We just have to wait for the helicopters. Okay. Until then, could you follow that signal? Maybe? Holy crap. Yeah, oh my god. We don't know what it is. It could be nothing. Yeah, it could also be whoever was listening to us, whoever made the tape. Okay, yeah, Look, you should pack up everything you need in case we get the call and you can't come back. Alright, look, if something happens... I'll remember you. On va pas la laisser brûler, cette petite tortue. I mean, am I walking into a trap right now? I hope not. I would much rather remember you from a bar somewhere and not a jail cell. Please find who made that tape. Ouais, pour moi c'est un petit peu une erreur de scénario là, le fait d'avoir attendu aussi longtemps avant de se poser la question de savoir s'il fallait partir. Il y a un feu de forêt quoi, c'est quelque chose de quand même pas anodin et ouf, ça j'oublie pas. Hein. La photo de ma femme aussi. Et voilà, l'alliance. Ok, on est pas mal. Allez. On s'arrache. Mon sac à dos apparemment est sur moi. Et on ne reviendra plus. Vous voyez, le feu il est juste là. On a déjà la forêt qui s'embrase. Et ça n'a pas l'air de paniquer Brian. C'est un peu mal fait ça. Le jeu est très très bon. Hein. Mais ce passage-là je trouve mal fait parce que déjà d'une, il aurait dû partir beaucoup plus vite. C'est extrêmement dangereux et de deux, là il devrait mourir. L'air est irrespirable et il devrait mourir asphyxié clairement et la température doit être également intenable. L'émetteur. Alors, c'est par là-bas. Direction ouest. Sans le piège. Pas pouvoir passer en plus. Parce que là, si tu te trouves sous le Canadair, vu la flotte que tu te prends sur la tête, à mon avis, ça t'assomme. Hein. Parce que c'est des... Je sais pas combien ça...
Ça peut contenir un canadaire. Mais à mon avis, toute l'eau qu'il déverse sur la forêt, si tu te trouves en dessous, ça va pas faire du bien. What's your status? I think I'm getting close. All right, well, I just got word that they are coming to get us. My place. You sound worried. No, it's just... Brian? I'll coordinate with the evac team and let you know when to head towards the tram. It's north. Far. Past where you found that cut back in May. There's an emergency tram out there that will let you hike to the rendezvous point at my lookout. Je suis un peu... Je sais pas quoi faire en fait. Parce que c'est là-bas. Direction l'ouest. Et là on a un amas rocheux qui m'empêche pardon, de passer. Et là apparemment c'est pas bon non plus. Donc c'est dans cette direction qu'il faut que je descende, hein, j'imagine. J'imagine qu'il faut que je descende là-bas. Parce que ça va me permettre de récupérer le cap. Le cap est là-bas, ouais. Donc c'est ça. Ça devrait me permettre de reprendre. C'est quand tu veux, mon gars. On voit absolument rien dans le jeu, il n'y a quasiment rien eu de d'animé, enfin il n'y a aucune animation dans le jeu, il n'y a absolument rien de, comment on appelle ça, de modélisé. Aucun personnage, aucun avion, aucun animal. D'aucuns me diront que c'est pour renforcer la solitude, le sentiment de solitude. C'est plutôt bien fait. Mais j'imagine aussi que ça a permis aussi aux développeurs de se reposer un peu sur leur laurier. Parce que là j'aurais bien aimé voir un avion qui passe par exemple. Ça aurait pu un peu renforcer l'immersion, on va dire. Je suis quasiment arrivé à destination. Someone left a rope for me to climb up. I'm down near the lake. How do you know it's for you? There's a tracking collar tied to it. Someone was leading me here. And there's another tape. The surveillance operation. Okay, what does that mean? What is it? It was Ned Goodwin. He was the one listening to us, just him.
Yeah. He's gone deeper into the Shoshone. He doesn't want anyone to know he's out here. Because he killed Brian. Because he killed his fucking son. Je pense pas qu'il l'ait tué, je pense que... You need to get back here. They say the helicopters are making rounds. Okay. Un papa méga super génial. To a rad bad mega dad. He wrote down everything he did to us, and everything he did every day. He was scared shitless. I bet. Goodwin was the one who wrote the reports I found at the site. Eh oui. Donc tout se clarifie maintenant, tout semble. You should see some of the stuff he was working on. Expliquer. I guess he had a lot of time on his hands. Les feux de forêt. Cette personne qui les observe dans l'ombre, nous écoute. He was rigging up stolen batteries to keep his stuff going. This boombox looks familiar. Logiquement, ce que je pourrais faire, c'est prendre des photos pour le RP uniquement, puisque je pense pas que ça serve à quoi que ce soit de prendre des photos en guise de preuve dans le jeu, à mon avis. C'est, ça va pas changer la fin du jeu, je pense pas. Had quite the view. I'm sorry. I don't know what to say. I don't know what you want me to say. We're in the middle of a fire that is at 22,000 acres and growing fast. It's gonna burn all of this up. Well, take a picture if you're so keen to remember it. You're not? I don't know. He's got a radio base station up here. He was listening to us on that. Ça, allez, quelques petites photos pour prouver à la police. Voilà. Et après donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que je ne peux pas passer par là en fait. Je ne peux pas passer par là. Je vais donc revenir sur mes pas. Marcher vers le nord jusqu'au poste d'observation de Tour aux Fers pour évacuer.
vers le nord, vers le nord, vers le nord. Ça devrait dire par là. Non, là je suis à l'est. Je peux pas refermer là. Non, je peux pas fermer ça. Et là je marche en direction du sud, donc c'est pas bon. Ok, bah va peut-être falloir que je prenne une autre direction pour commencer. Qu'après je change la trajectoire de ma course pour repiquer vers le nord. Et comme ça, juste avec ça. Pas être évident de trouver un chemin dans ce merdier. D'autant plus que la vue ne m'aide pas. L'ambiance et cette fumée. Avec une carte, peut-être que j'y verrai mieux. Je suis là. Donc là, en allant à l'ouest. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Tout simplement, ça va chercher midi à 14h. Je pense que je suis pas loin de la fin du jeu puisque Enigmatic a fait un let's play de. Alors j'ai regardé donc la première demi-heure de son let's play complet sur la chaîne. J'ai regardé la première demi-heure, c'est d'ailleurs ce qui m'a donné envie de jouer au jeu, hein, voilà pour la petite histoire. Et donc j'ai arrêté au bout de 30 minutes de visionnage, j'ai arrêté de regarder parce que je me suis dit qu'il me fallait à tout prix ce jeu et que je voulais pas me spoil. Tout ce que je sais. Ah oh, d'accord, on est au lac ici. Donc en fait je vais pouvoir repasser par là. Tout ce que je sais c'est que ça. Son let's play se composait de 4 vidéos de 1 heure chacune. Sachant qu'il a peut-être plus rush le jeu que moi. Relieved that there's no evidence of us starting that fire. Relieved that we're not crazy. That there wasn't some conspiracy. But I'm not. He was a sweet kid. With a shitty father who hid out here like a coward after dumping him in a hole. Effectivement. C'est mal fait ça, on peut pas. I think that Ned loved him. I don't want to hear it. He obviously didn't want to forget him. He just didn't know what to do. Henry, not knowing what to do isn't okay. When you're supposed to look after someone, you figure it out. Yes. And Ned Goodwin is a shithead who is incapable of figuring anything out. Sorry. God, it would have been so easy to tell the truth and have him sent home. I can't stop thinking about it. You'll let it go and it'll be okay. It'll haunt you for a while, but eventually you'll look back and you'll be far enough away to forgive yourself. Justify to myself, maybe. Yeah, well, that's better than nothing. And he'll still be down there in that cave. Because if I say anything, they're gonna ask me about Ned. Dee? Oh, fuck. Is that a helicopter? Yeah, hold on. Hey! No, there's one more. Yes, here, yeah. Yeah, he's coming. Oh, attends, je suis pas pour arriver. Okay. Parce que je me suis paumé dans la forêt. Hey, they're here, but they're making rounds. They'll come back. Okay. I think I'm gonna go with them. Yeah, that's a good idea. Yeah. I mean, it's dangerous here, and if anything were to happen, then that would be on me. So. Yeah, you're right. Yeah. You sure that's okay? I said it was. All right, I should go. Have a safe flight. All right.
right, have a safe hike. Mon personnage devrait déjà être mort, je pense, là, avec vraiment la fumée qu'il a respirée depuis le début. Donc là, l'objectif, c'est de remonter ce ruisseau et de tourner à gauche. Prochain embranchement. Ici même. Et c'est comme ça que je vais rejoindre Torofer. Je cours un peu pour le RP. Parce que là, il s'agit de pas traîner en vrai. Par là, je pense. C'est pas évident, hein. De toute façon, là, il faut que je pique au nord, tout simplement. Je passe par où? Par la gauche, par la droite. Les deux m'ont l'air d'être la même chose. Donc, on y va comme ça. Ça va être long. Mais en courant, ça va le faire. Là où il y a les poteaux électriques, très bien. Ça me rappelle quelque chose. Après, il faut que je passe par là. Comme lorsque je suis venu ici pour la première fois. Et après, il va s'agir de monter le piton rocheux. Voilà, par là. Merde. Je me rappelle plus. Jusqu'en haut. Et là, on devrait être pas trop mal. On n'est pas encore arrivé, malheureusement. C'est plus long que ça. J'ai peut-être fait un méga détour. J'assume le fait que j'ai probablement fait un méga détour. Mais ça rajoute un peu au sentiment d'être perdu dans cette forêt embrumée, enfumée pour le coup. Est-ce que je progresse là? Je progresse. C'est bien par là, j'espère. C'est l'endroit où on avait été livré en provision apparemment. Ici même. Un hélico devrait venir me récupérer. Non, peut-être plus haut. Téléphérique dont elle m'a parlé, qui va me permettre de changer de zone. Yep.
fin du jeu. Un jeu vraiment narratif, donc très très beau, que j'ai pris grand plaisir à traverser, mais c'est pas fini. Je vais suivre la route. Je n'ai plus de carte à présent puisque je suis arrivé dans une toute nouvelle zone et je vais enfin peut-être trouver à quoi ressemble Delila. C'était donc son poste d'observation qu'on voyait dans les sur la page d'accueil du jeu. Avec une photo de Buffalo Bill. Le stratagème. Les mots croisés. Puisqu'elle était une grande amatrice de mots croisés. Et le casque radio. Hello, is anybody there? Hi. Yeah, it's me. I'm back at the staging area near the trailhead. I think I see your truck. Red, Colorado plates. Yeah. It's a piece of shit. It's better than whatever you drive. What do you drive? A piece of shit. Well, there you go. Although I think there's a raccoon living in yours. Make sure he's comfy, I guess. Hey, it shouldn't take long for the helicopter to reach you. Okay. There's a debrief in a situation like this. Lots of questions. Ah, shit. So, taking stock, we found out an old lookout killed his only son and decided to become a lonely hermit. Yes. And we prevented one fire? Basically started another. Okay, so that's a wash. I'll have to figure out what I'm doing every summer from now on that isn't this. You're not coming back? No. And you'll have to... I don't know. Yeah, me neither. I don't know what's next. Tell you what, why don't you choose for me, and I'll choose for you. All right, sure. Maybe... Well, you'd make a great shrink. Are you kidding me? You spent 10 weeks with me, and God knows how much therapy it's gonna take to undo this experience. Well, you're a good conversationalist, I guess. Even though you never told me about whoever you left behind. Well, they'd probably give you some pointers at shrink school. Okay, Henry. So, what about me then? Jeez, well, you should probably put that typewriter to good use. If you ever decide to write about this, I'd really appreciate it if you gave me a sexy accent or something that, you know, would play well in the movie version. All right. I'll see what I can do. Maybe get a dog? Hold on. Let me write all this down. Whenever the season's about to wrap up, I usually find myself thinking... And when I get back, I'm gonna call him. You know, casual, and just see how he's doing. My ex. That is. I'll say something like, hey, I had a dream about you this summer and thought I'd call. You know, something that lets him know that I want him without letting him know I want him. Yeah. Whatever you do, don't do that. There's the helicopter. They'll land back where you hiked up. Good luck, Henry. Goodbye, Delilah. I mean it. Good luck. Yeah. Bye, Hank. Et voilà l'hélicoptère qui lui pour le coup aura été modélisé. Et donc on a un petit aperçu de là où vivait Delila, mon interlocutrice durant ces quelques heures de jeu. Très très bon jeu. Comme je l'expliquais. J'ai vraiment ça. C'était vraiment une surprise quoi. Et, régaler à traverser cette forêt du Wisconsin.
de la peau d'Henry, nouvelle recrue, au sein du corps des gardes forestiers. Et voilà les secours. Désolé, hein, il y avait peut-être les photos effectivement qui allaient défiler, mais là c'est le strike assuré sur YouTube avec ce genre de chanson. Donc du coup ça fait chier parce que... Attendez, je vais faire quelque chose. Paramètres. On dégage la musique. Parce que sinon je vais me faire ban. Et je voudrais juste regarder où est-ce que le jeu me remet quand je recharge la sauvegarde. S'il me remet pas trop loin, éventuellement on pourra se taper le générique pour regarder les photos et se remémorer ces instants passés ensemble sur ce jeu. Très bon jeu, donc comme j'expliquais, une très bonne surprise pour moi. J'avais peur au début que le jeu prenne une tournure survival horror. Vous savez, un peu à la Slender ou ce genre de truc. Pour moi, ça aurait été du cliché, ça aurait été du stéréotype, ça aurait été du déjà fait, du déjà vu, du vu et revu. Donc je suis bien content que le jeu nous ait épargné ça. Il y avait une petite tournure un peu suspense, un peu enquête. Est-ce que je peux spam la conversation avec Delilah? Parce que j'ai pas envie de me la retaper, elle est extrêmement longue. Donc je vais essayer de spam, mais je pense pas qu'on puisse le faire pour être franc avec vous. Je vais essayer de spam la conve. Hello, is anybody there? Hi. On peut pas. Yeah, it's... Bon, écoute, étant donné que la conversation de fin est très très longue, je vais vous l'épargner. Je vais me l'épargner aussi pour l'encodage, pour pas faire un fichier trop long. Tant pis pour les photos que j'ai prises au cours de l'aventure, c'est dommage. J'aurais bien aimé les voir. Enfin, les revoir. Quoi qu'il arrive, merci à vous tous d'avoir suivi cette aventure, très très bon jeu, voilà, c'était une vraie surprise pour moi et j'ai vraiment apprécié. Je suis peut-être un petit peu déçu par la fin, j'aurais peut-être voulu que sur la fin justement ça, le jeu, sans basculer dans l'action pure et dure, mais qu'il y ait un peu plus de suspense vraiment sur la fin, un peu plus de, que la tension se fasse, comment dire, un peu plus ressentir, et c'était pas forcément le cas, et c'est un peu dommage, je suis un peu déçu de la fin. À partir du moment où on découvre le cadavre du jeune homme dans la grotte et qu'on apprend que c'est son père en fait qui l'a tué entre guillemets, j'aurais aimé être confronté au père, moi, par exemple, tu vois. On aurait pu ramener ce côté un peu thriller éventuellement sur les dernières heures de jeu, ça aurait pu être sur la même, ne serait-ce que sur la dernière demi-heure de jeu, rajouter ce côté un peu slasher, un peu thriller avec le mec qui nous poursuivrait dans la forêt. On aurait pu faire quelque chose de très original là-dessus. Vraiment sur la dernière demi-heure de jeu, ça m'aurait pas dérangé pour le coup. Eh ben, je vais quitter. Hop. Et quoi qu'il arrive, je vous dis, prenez soin de vous, chers amis. Et on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures sur Hostile TV. Il y aura du Fallout 4 encore et du New Vegas, bien évidemment, et puis quelques autres jeux. Ciao les mecs.